Coucou. Alors, quand il est 1 h 15 du matin, qu'on n'arrive pas à dormir, je me suis relevée et je me suis dit, autant aller m'occuper. Et du coup, je me suis mise à scraper. Donc, ma petite carte que je devais faire aujourd'hui, donc en fin de compte, non, je l'ai bien faite aujourd'hui, dimanche. Là, il est 2 h 17 exactement du matin. Voilà, et je ne suis toujours pas fatiguée. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être rescraper, refaire des cartes. Donc, du coup, je vous fais une petite vidéo à 2 h 18 maintenant du matin. Voilà, alors, je me suis amusée à faire une petite carte d'Halloween, comme j'avais vu chez ma petite... Mon adorable Scrap Titi qui avait fait un tuto d'une très jolie carte Halloween. Alors, du coup, je me suis amusée à en faire une moi aussi. Donc, je vais vous montrer ma carte. Et du coup, ce que j'ai utilisé, vu que je ne fais pas encore de tuto, j'ose pas encore me filmer en vidéo. J'ose pas encore me lancer à faire des tutos. Donc du coup, je vais vous montrer le matériel et que j'ai utilisé. Et ensuite, je vous montrerai ma carte. Donc du coup, j'ai pris mes petits tampons Halloween que je vous ai montré jeudi ou jeudi, je crois, en vidéo. Voilà. J'ai pris. Petit tampon, alors c'est on peut se maquiller avec. Je les ai achetés, il y en a 3. Je les ai achetés chez Action. Alors c'est pareil, c'est pas toujours Scrap Titi hein, qui a des super idées, qui a montré ça qu'on pouvait. Parce que moi j'en avais acheté un exprès pour tamponner, qui m'a coûté quand même assez cher. Et en fin de compte, on va chez Action, on prend un lot dans le au niveau des produits de maquillage et du coup ça vous fait vos tampons. Et moi j'avais acheté où est-ce qu'il est? Je l'ai rangé il y a 2 secondes. Voilà, j'avais acheté celui-ci qui est pour le mix média. Mais du coup voilà, ça fait le même boulot quoi, le même job. Et ça coûte archi archi moins cher, vraiment moins cher, et pour faire le même boulot. Donc j'ai pris ça pour faire mes petits tampons. J'aime bien utiliser voilà ce petit je sais pas comment ça s'appelle où j'y colle mes tampons en silicone. Voilà, il est pratique, il n'est pas trop gros et on peut le tenir. Donc c'est bien pour appuyer, c'est pratique. Je vais vous montrer ma carte après. J'ai utilisé 3 oxydes, Distress Oxide. Alors les noms, si vous êtes plus doué que moi en anglais, hein, voilà, bon là, forcément, c'est à l'envers. Alors là, c'est Dread Marigold. Voilà, ça fait une sorte d'orange comme ça. Voilà. J'ai utilisé la Distress Oxide Pumice Stone. Donc voilà, c'est un gris, une sorte de gris. J'ai utilisé la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, elle est comme ça. Voilà, la grise, elle est comme ceci. Voilà, j'arrête pas de dire voilà. Je pense qu'on a toutes des tocs. J'ai utilisé des petites perles, des demi-perles. Enfin, là, c'est pas des perles, il y a des petits triangles, des petits carrés, des petits cœurs, des hexagonales. Ah bon, voilà. Pour aller avec. Et ma Memento noire pour faire mes petits tamponnages de sorcière.
un petit peu de glu, la Takiglu de chez Action. Et là, ben, je vais vous montrer ma carte. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ben, même si c'est pas du positif, hein, même si voilà, je préfère qu'on me dise les choses qui ne vont pas pour m'aider à m'améliorer. Voilà. J'aime bien qu'on soit honnête avec moi, ça va pas me vexer. Au contraire, ça va me permettre ben, oui, de m'améliorer et de faire mieux pour la prochaine fois. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite carte. Donc je l'ai faite comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai pris un papier blanc que j'ai coupé de 14 sur 10. Et mon papier, ces cartes, je l'ai rangé. Ah oui, c'est mes papiers cardstock. Comme ça, c'est pareil que j'ai acheté chez Action. Donc, j'ai pris une couleur orange. Voilà. Et du coup, ben voilà ma petite carte. Voilà. Que j'ai faite. Donc, j'ai fait des petits dégradés. J'ai commencé par mettre le marron en trois taches. Ensuite, j'ai mis un petit peu du gris tout autour pour faire un peu comme une nuit orangée ou voilà, un peu sombre. Après, j'ai mis le orange que j'ai tamponné. Et c'est vrai que Scrap Titi, elle met légèrement un peu de spray d'eau. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'avais pas de petit spray. Il faut que je m'en achète un. Donc, du coup. Ben, hein, j'ai utilisé les grands moyens. J'ai utilisé mon petit spray avec lequel j'arrose mes plantes. J'en ai mis légèrement dessus. Et ensuite, j'ai pris du sopalin et j'ai tamponné. Et du coup, ça a un petit peu fait des dégradés de couleurs où on a l'impression, enfin, on dirait un peu que c'est une lune. Avec les trous qu'il peut y avoir dans la... Enfin, bon, moi, c'est l'effet que ça me donne. J'ai mis l'arbre tamponné. J'ai mis les herbes hautes. Le petit chaudron. Et puis, deux petites sorcières qui sont au-dessus, qui volent au-dessus du chaudron et de l'arbre. Voilà. Et j'ai mis... voilà, pour faire un petit peu de brillance, mais toujours dans les tons orangés des... C'est pas des perles, mais bon, c'est des demi-perles, mais qui ne sont pas des perles. Je ne saurais, je sais pas. Voilà, là, j'ai pas le nom, il est peut-être trop tard. Et du coup, je trouve pas. Donc voilà, ça fait cet effet-là, comme ça. Voilà. Donc voilà ma petite carte. Bon, moi, j'en suis contente. C'est la première fois. Alors, j'avais déjà utilisé les. Distress oxyde, mais j'avais jamais essayé de mettre un petit peu d'eau dessus. Et en fin de compte, c'est vrai que ça fait une espèce de petit dégradé de couleur après. Du coup, je trouve ça pas mal et je trouve ça assez joli. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous plaira. Que cette petite vidéo aussi tard, franchement, là, j'aurais jamais cru qu'à 2h30 du matin, je serais là à vous faire une vidéo. Faut vraiment être malade. En pyjama, mais voilà, ben au lieu de le faire demain matin ou demain midi, je me suis dit bah voilà, je suis levée, j'arrive pas à dormir, bah pourquoi pas faire une petite vidéo pour tout le monde pour demain quand vous souhaiterez la regarder. Voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, j'espère que je vais réussir à quand même m'endormir un petit peu, hein. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Amusez-vous bien. J'espère que ma vidéo vous fera plaisir. Et n'hésitez pas à partager, à partager cette vidéo si l'envie si vous en avez envie avec d'autres. Et voilà. Je vous souhaite, moi je me souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Passez un bon dimanche, je me répète. Au revoir, bye bye, à bientôt.